Et salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Et nous nous retrouvons pour l'épisode 10 sur Uncharted 3, l'illusion de Drake. Dans la dernière vidéo, et bien, suite à l'intervention de Talbot vis-à-vis de Cutter qui a récupéré le carnet de Cutter et lui a inoculé, et bien, un... Comment dirais-je ? Un produit un petit peu bizarre qui bah, lui fait perdre un petit peu les plombs, on va dire, hein, par moment. Eh bien, tant bien que mal, on a tenté de découvrir eh bien, l'autre tombe similaire à celle que Nate et Sully avaient découvert en France. Il y a eu encore les araignées qui nous ont posé quelques petits problèmes, mais on s'en est plutôt bien tiré. Après, il y a eu encore les hommes de Talbot à éliminer pour pouvoir sortir eh bien, de la citadelle. Donc, dans l'intervalle, eh bien, on a récupéré la deuxième moitié de l'artefact qui, je crois de souvenir, a été encore piqué par... par Marlowe et Talbot, du coup, par cette mystérieuse organisation. Mais nous savons où nous rendre, vu que nous avions résolu une petite énigme. Eh bien, la suite de l'aventure nous mène au Yémen. Petit jeu de mots, enfin, petit. Enfin, petite rime sans faire attention. Et nous sommes donc au Yémen avec Elena. Et ouais, nous retrouvons Elena au Yémen qui bah, continue à faire des reportages, etc. Et on a senti hein, qu'il y avait un petit passif assez, ouais, on peut dire assez glacial. Enfin, ça veut pas dire grand-chose ce que je viens de dire, mais en tout cas, il y a bien des on-dit, on va dire, voilà, des choses à régler entre Nate et Elena. Et donc, bon, on va commencer ce chapitre en espérant évidemment qu'il ne soit pas très très long. Si vous voulez suivre la piste de Francis Drake, il faut aller dans le vieux quartier. Ça, le nouveau quartier ? Ah, tout est relatif. La ville a été fondée il y a au moins 3000 ans de ça. D'accord, passe devant. Très très bien. Donc... Bon, là, vous voyez cette tour devant ? Voilà ouais, où commence la vieille ville. On la voit. Il faudrait okay. qu'on aille jusque là-bas. Ah, attends, attends, attends. Ouais, moi je fouille. Hein. Alors, Salam. À l'heure où, où je tourne cette vidéo, eh bien, sachez okay, que juste avant, j'ai vu une petite info sur les internets. Hein, voilà. À partir du jeudi. Alors, nous sommes le 14. Donc, à partir du jeudi 16 avril, du coup, 2020. Eh bien, pour la période du confinement, eh bien, Sony offre à tous les joueurs, que vous soyez abonnés au PlayStation Plus ou non, vous offre la possibilité de récupérer gratuitement, mais uniquement sur PlayStation, Uncharted The Drake Collection, donc la trilogie qui regroupe le portage HD des trois premiers opus, donc celle que je suis en train de vous présenter, et le jeu Journey, ou Journey, enfin je sais pas comment ça se dit. Bon, bon voilà, donc apparemment, Journey, je connais juste deux noms, mais sans plus. La police patrouille absolument partout et vaudrait mieux éviter d'éveiller les soupçons. Mais en tout cas, bah, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira sur la chaîne, mais il y a de fortes chances que ça soit jeudi, voire même que le jeudi soit déjà passé. Donc, bah, n'hésitez pas hein, à aller voir sur le PSN pour récupérer au moins Uncharted, la trilogie Uncharted. Et je vous rappelle que Uncharted 4 est, fait partie des jeux gratuits du mois d'avril. Donc vous pouvez récupérer bah, l'ensemble de la saga Uncharted gratuitement. Uniquement pour le mois d'avril.
En tout cas pour Uncharted 4, uniquement pour le mois d'avril. Pour Uncharted Trilogy, hein, je vais appeler ça comme ça, eh bien, j'ai pas forcément vu de date butoir, mais dépêchez-vous de... Ok, visiblement, ils ont bloqué la rue. De le récupérer. Je vais voir ce que je peux faire. Vous deux, vous restez là. Et en plus, cerise sur les gâteaux, elle l'a encore sur elle. Vous pourrez garder le jeu indéfiniment. Voilà. Que vous soyez, par exemple, même si vous êtes connecté au PlayStation Plus et que vous ne l'êtes plus, eh bien, vous pourrez toujours garder le jeu. Il y a un autre passage. Chose qui d'habitude n'est pas possible, et là, là, c'est le cas. Donc voilà, petite info. Toute fraîche, en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et vu que vous avez l'air assez réceptif à ce Uncharted 3 et à cette saga, eh bien, qui me fait plaisir d'ailleurs sur la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos j'aime et pour les nouveaux abonnés en passant. Eh bien, merci. Eh bien, si vous les aviez jamais fait, la chance de t'avoir. Ou si vous voulez vous les refaire, c'est l'occasion, les amis. Là-haut. Allez, un peu moins de babla et un peu plus de gameplay, les amis. Alors. On super, peut toujours pas courir. Ouais, c'est pas non plus par là qu'on va passer. Va falloir trouver un autre passage. Le passage, il est déjà tout trouvé. Hey, là-haut, il doit y avoir un autre passage. Allez, suis-moi. Ok, c'est cool. Ouais. Ça ne sert à rien d'aller se faufiler, d'aller rappeler je sais pas où. En ce moment, je ça sais pas ce que j'ai. Ouais, j'arrive. J'arrête pas de tousser. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas le virus, hein, dont ils ne font pas dire le nom. Mais voilà, je sais pas. C'est pourtant, je suis pas. J'ai aucune allergie ni rien, mais ça va le faire. Évite de casser un truc. Mais pourtant, je sais pas, c'est peut-être le fait que l'air soit un petit peu plus pur que d'habitude qui me réussit pas, allez savoir. Ça serait marrant, n'empêche. Alors, pousse-toi. Et... Putain, je sais pas dans quelle direction aller. Voilà, attends. Oh c'est par où? Bon, j'imagine que les deux... Ah bah non, d'accord, ok. C'est moi qui suis un peu miro. Ok, donc on a fait un petit aller-retour pour rien, mais bon, écoutez, on se dégourdait les jambes. Nate qui sue déjà comme un porc. Ouais, et voilà. Bon, en même temps, au Yémen, hein, il doit pas faire froid, à mon avis. Bon, l'objectif, ça va être bien d'accéder à cette tour. En tout cas, le paysage magnifique. Hein. Tu vois, en bas, ces bâtiments avaient des milliers d'années, même quand Francis Drake était en vie. Exact. Bien vu. Ah, tiens. Hey, Nate. Hein? Talbot. Qui? Il a le carnet de Cutter. Quoi? Attends, Charlie Cutter? Oui, pas le temps. Sully va t'expliquer. Attends un peu. On se voit en bas. évidemment, oui. Tout à fait. Bon, il s'agit de pas perdre Talbot de vue, du coup. Parce que le carnet, on en a quand même besoin. Donc ça va être, je pense, un objectif à attendre. Mais au moins, ce que je trouve vraiment bien,
c'est que dans chaque opus, on a toujours une nouvelle, pas une, on va dire une nouvelle sorte de mission. Là, par exemple, bon, on doit suivre un personnage, mais là, on passe par les toits, etc. Enfin, c'est quand même assez, assez nouveau du coup. Alors. Que je me remette un peu les touches. Évidemment, on n'a pas d'armes. Parce que Elena nous avait demandé de... de pas en prendre, du coup. On va essayer de pas se faire repérer, ça sera... ça sera bien. Et d'ailleurs, hein, en parlant de... oh, attendez, on va reprendre juste après. Venez. Parce que là on est on n'est pas bien. Ah là, Nate il s'y prend la patate comme si c'était moi qui l'avais prise. Hein. Ok. Allez, salut, combat Manu. Salut. Allez, c'est parti. Quoi? Ah oui, c'est carré. Oh là là, je suis un monstre. Oh là là, c'est bon ça. Oh là là, Nate, t'es un monstre. Ah là, par contre. Lui, par contre, là, les rodures. Allez. Normalement, on part par terme de 3, je pense. Oh. Ok. Bon, je suis content. Je suis content pour le moment. Je ne me suis pas fait toucher une seule fois. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini. Oh là là! Ah, je me suis fait toucher, dommage. Mais oh là là, je lui ai pris la truc, je lui ai éclaté la tête. Ok, bon, il devait, je pense, venir à l'infini. Mais on aura récupéré le carnet de Cutter. Par ici. Ouais. Attends. Ok, pas de soucis. Alors, comme je commençais à dire avant que je me prenne une petite patate, bah n'hésitez pas hein, à aller voir les autres playlists réellement hein, de la chaîne. Et laisser des petits commentaires pour bah, au moins savoir si les let's play vous plaisent, etc. C'est qui ce type? Et qu'est-ce que Charlie vient faire dans tout ça? Il travaillait avec nous sur ce coup. Travaillait? Il est pas mort? Non, lui et Chloé. Quoi? Chloé aussi? Ouais, mais ils ont dit stop quand Cutter s'est cassé la jambe. Il s'est cassé la jambe? Il aurait pu se casser le cou avec une chute pareille. Et il va bien. Entre ça et être brûlé vif, moi aussi j'aurais sauté. Tu t'enfonces. Bon, dites-moi juste ce que vous êtes vraiment venu chercher. Bah... ça? Approche. Sully, viens voir. On les a semés. Dis-moi tout. Eh bien, je crois qu'on a trouvé notre entrée secrète. Merci pour le coup de main. Hein? Moi, je descends pas sans être équipé. Va voir le marchand de tapis qu'on vient de croiser. Ah non, je pensais à des armes. Il n'est pas vraiment marchand de tapis. Oh, j'y vais. Hé, vieux, fais attention à toi, hein. Ouais. Sérieusement, bon, c'est quoi, Nate, pourquoi tu m'as menti au sujet de Sully? Ces types font pas des recherches historiques, et toi non plus. Ça a à voir avec cette Marlowe, hein. Oui, mais... regarde un peu ça. Je l'ai enfin trouvé. Et c'est ce que je disais. Ça menait à ça. Et ça, à ici.
Un trou dans le sol. Oui, bon, il n'y a plus glamour. Allez, admets-le. T'aimes l'aventure au moins autant que moi. Non. Non, plus maintenant. Vraiment? Ah, ok, alors, tu devrais peut-être t'en aller. Oh, moi? Moi? Que je m'en aille? Très drôle. Des fusils? Bah ouais. Ah, mais... Quoi? Il y en avait que deux. Super. Bon, aidez-moi à pousser ça. D'accord. Ouais. C'était épuisant. Ouais, pas mal. Quoi? Parce que c'est un puits. On y va? Ok, les gars. Une entrée secrète pour aller où? Y'a quoi là-dessus? Oh, bah... Y'a moyen de le savoir. Fin, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Chose d'autre? Bah, effectivement, le chapitre était, était pas très long. Bah, écoutez, les amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter clairement là. On aurait été pratiquement un monstre. Allez, on s'est pris 2-3 patates au passage. Mais voilà. Mais quand même, par inadvertance, on arrive quand même à tomber pile poil sur le lieu où on devait aller. Si ça, c'est pas de la chance, les amis. Bon, en tout cas, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée ou de nuit à l'heure ou laquelle. Eh bien, vous allez regarder cette vidéo. N'oubliez pas l'instant soutien qui est très très important pour la chaîne et pour moi d'ailleurs. Abonnez-vous, activez les notifications, le petit pouce bleu et le commentaire qui font plaisir. Allez voir les autres playlists encore une fois, parce que vraiment ça aide aussi également. Et puis moi ça me ferait plaisir aussi. Puis d'un côté, voilà les playlists, enfin en tout cas les jeux que je vous propose, outre ouais, le fait de par exemple découvrir ou de me suivre dans une aventure, ça peut pourquoi pas servir de soluce à quelqu'un qui serait éventuellement bloqué dans le jeu. Voilà. Et puis n'oubliez pas d'aller récupérer Uncharted, la trilogie, à partir du jeudi 16 avril 2020 sur le PSN, que vous soyez abonné PS Plus ou pas, car vous pourrez dans tous les cas le garder indéfiniment. Il y a également, également le jeu Journée qui sera également gratuit et qui sera accessible tout le temps. Pour le mois d'avril, vous avez encore la possibilité d'acquérir Uncharted 4 gratuitement en tant que jeu PSN du mois. Donc là, par contre, il vous faudra évidemment être client PS Plus. Donc voilà, pensez à tout ça. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour la suite. Allez, ciao ciao les amis.